C'est la double marque que donne à ta famille pour te prendre un mariage. Le mariage chelou, bénit le mariage. Il ne marie pas les gens. C'est les familles qui marient leurs enfants. Ce que nous faisons, c'est un mariage. Et donc, si Marc a donné cet argent comme dot, symbole du mariage, nous voudrons que tu le remettes à docteur pour confirmer que tu acceptes. Que tu acceptes devant témoin qu'aujourd'hui, dès qu'il a touché cette enveloppe, tu deviens la femme de Marc. Et tu connais toi-même quelles sont les conditions qui vont avec cet acte. Je t'en prie. Sylvestre, je t'ai ramené ma dot. Voilà, au sein de la famille, nous pouvons acclamer Noëlla de Marc, s'il vous plaît. Les héros toujours. Par ce geste devant les familles réunies, Noëlla a accepté de devenir l'épouse de Marc. Marc, nous te recevons chez nous, comme notre enfant. Comme nous devenons une personne qui nous est chère, parce que tu vas nous accompagner dans notre famille jusqu'à la fin de ta vie. Et par ce faire, je voudrais vous embrasser. Merci. Vas-y, maman. Vas-y. 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 Nous vous remercions infiniment de votre patience et sur ce, notre petite soirée de divertissement va commencer. À tous et à toutes, je passe le docteur qui va dire un dernier mot pour remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui en cet honneur. Si Marc et moi, il va le dire aussi. Si Marc et moi, il va le dire. Avant que le docteur ne puisse parler, je voudrais demander à Marc si la pièce l'a dit. Il y a un petit mot. Je suis très heureux, très ému de pouvoir me constituer. De faire partie de cette famille. Bon, merci à tous. S'il vous plaît, applaudissez pour nous, pour Marc. Un instant. Je n'ai rien entendu. Êtes-vous content que Marc ait épousé Noëlla aujourd'hui? Applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que nous avons des tendances différentes. Mais avant de dire un petit mot de remerciement, je vais d'abord remercier celui qui est le plus grand de tous ici. Parce que, comme je viens de le dire, les tendances peuvent être différentes, mais nous servons tous le grand Dieu. Et vous me permettez de dire merci à ce grand Dieu que nous servons le Dieu. Père Tout-Puissant, je te suis reconnaissant pour cet ange du monde. Tu as connu cet instant avant que nous puissions y penser. Nous te disons merci, Seigneur. Recommandons chacun d'entre nous dans ces lieux en tant que ancien. Recommandons les couples en tant que ancien. Recommandons toute activité qui va se passer. Nous implorons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, sur chacun d'entre nous. Au couple qui vient de s'engager maintenant,
si mon père était vivant, il n'allait pas vous donner quoi que ce soit. Je pense qu'il allait vous donner une Bible. Et c'est ce que je fais. Je vous donne une Bible. Parce que sans Bible, le fondement est nul. Sans Bible, le fondement est nul. Sans connaître notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a fait ce qu'il a fait pour nous sur la croix, notre vie n'a pas de sens. C'est pourquoi, en tant que représentant de la famille, je vous recommande de suivre cette voie. En suivant cette voie-là, vous ne serez jamais déçus. Même certains qui sont parmi nous ici, qui n'ont pas encore eu le temps de reconnaître la grandeur de notre maître, ça peut être aussi l'opportunité d'y penser, de revenir. Franchement, au nom de la famille Mouille, je vous dis grandement merci. Je suis venu ici. Le mariage, c'était une coïncidence. J'avais déjà programmé pour venir vous voir. Mais Dieu merci, comme c'est Dieu, il est notre Dieu, des circonstances, c'est Dieu. Il savait que ce moment allait venir. Il savait que j'allais me mettre devant notre auguste assemblée pour vous parler. Franchement, je vous suis reconnaissant de venir merci. À tout le monde qui est présent, le membre de la famille, les amis, les connaissances, certains revenus, certains amis de l'enfance, certains que j'ai connus ici par le canal de mes soeurs, je vous suis tous reconnaissants et je vous dis merci pour votre présence et tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Une fois de plus, au nom de Jésus-Christ, je vous dis tous merci. Bonjour, Raskalin Bas sur le plateau de Nasport TV. Nasport TV, c'est notre télévision à diaspora congolaise en Suisse. Nasport TV propose des émissions pour tous. Reportages, interviews, publicités, etc., etc. Pour contact, chemin du Couchant 4, 1022, Chavannes, près Renan. Téléphone 0709 813 19 14. Je répète 0709 813 19 14. Nasport TV, c'est vous. Nasport TV, c'est vous. Bye bye.